Eh bien, bonjour, cher public masqué. J'espère que vous êtes bien installés. Et merci à Anne Bringot, à Marc de Conchat et Aurore Laluc d'être avec nous cet après-midi. Benoît Leguet et Mathieu Orphelin ont malheureusement dû annuler leur participation, l'un pour raison familiale et l'autre pour cause de campagne électorale. Et ils sont excusés. Et ils sont du coup remerciés parce que grâce à eux, on arrive à avoir une table ronde à parité parfaite. Table ronde où nous allons parler climat deux semaines après une COP26 qui ne s'est pas conclue sur une note très encourageante. Est-ce qu'on peut fermer la porte au fond, s'il vous plaît ? Merci. On a bien sûr alors à la COP26 avancé sur les règles de mise en œuvre des accords de Paris, mais pour l'essentiel, on reste sur des engagements beaucoup trop faibles des États pour rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement global depuis la révolution industrielle. On est déjà à 1,1 degré, ce qui se traduit par une multiplication des accidents climatiques, comme on l'a encore déjà vu cet été. Le dernier rapport du GIEC nous a dit que la barre des 1,5 degré sera irrémédiablement franchie dans une vingtaine d'années. Ce n'est pas à cause de la physique ou l'inertie du climat, c'est à cause de l'inertie de nos propres systèmes économiques. Même si on prenait les bonnes décisions aujourd'hui pour arriver à la neutralité des émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible, l'objectif ne serait pas atteint avant 2050 et donc les températures vont fatalement encore grimper d'un demi degré, même dans une hypothèse où on serait très ambitieux et très vertueux. Du coup, cette réalité conduit à deux questions que j'avais envie de poser à nos amis. Première question, est-ce que compte tenu du retard que nous avons accumulé depuis l'accord de Paris de 2015, l'objectif de rester en dessous de 2 degrés est encore tenable, de rester bien en dessous de 2 degrés est encore tenable, et à quelles conditions? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter à un monde qui sera, quoi qu'on fasse, nettement au-dessus de 1,5 degré, et chaque dixième de degré, ça compte. Pour aborder ces sujets, je commencerai par demander à Anne Bringot, qui est sur complètement à gauche par rapport à vous, voilà, de nous faire un point sur la COP26 et sur la gouvernance internationale du climat. Qu'est-ce qui peut être fait au niveau international? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces discussions à l'échelle onusienne? Et qu'est-ce qui surtout aussi ne peut pas être fait à ce niveau? Anne, tu travailles au réseau Action Climat, dont tu es coordinatrice des programmes, et j'ajoute qu'on peut lire régulièrement tes chroniques dans Alternatives économiques. C'est pour moi toujours un plaisir de les lire et de les éditer. Merci. C'est ensuite Marc de Conchat qui interviendra sur un sujet dont on ne parle jamais assez quand on parle de climat, alors que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Ce sujet, c'est l'adaptation au climat qui change. Qu'est-ce qu'on fait déjà et qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors Marc, tu es directeur de recherche à l'INRAE, tu es un spécialiste des paysages, tu es également membre de l'association Solagro, où tu as travaillé sur le scénario de transition agroécologique after 2050. Donc tu nous parleras de ces enjeux d'adaptation à partir de ton domaine de travail, le secteur agricole et forestier, mais en soulignant combien ces approches doivent être transversales et combien le sujet de l'adaptation doit être pensé au niveau des territoires. Après ce point nécessaire et important sur l'adaptation, qu'en est-il de l'atténuation, c'est-à-dire de nos politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre? L'Union européenne et ses États membres ont pris dans le cadre du Green Deal des engagements ambitieux, le zéro émission net en 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que l'on ne séquestre de carbone. Et pour y arriver, un objectif intermédiaire à 2030 de moins 55% des émissions par rapport à 90. Alors ok, c'est bien, mais on n'y est pas vraiment. Et on n'est pas vraiment sur les bons rails pour y arriver. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle réforme économique à mener? C'est là-dessus qu'on t'entendra, Aurore Laluc. Donc tu es députée européenne depuis 2019, tu as une formation d'économiste, tu es aussi cofondatrice avec Philippe Frémaux de l'Institut Veblen. Au Parlement européen, tu sièges à la Commission des affaires économiques, tu coordonnes la sous-commission fiscalité et tu présides l'intergroupe du Green Deal. Voilà, bref, je crois que tu es un peu au cœur de la discussion. La discussion européenne sur ce qui nous occupe cet après-midi. Et en France, enfin, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on se donne les moyens de nos ambitions climatiques qu'on a relevées avec la loi de 2019 et qui vise désormais la neutralité carbone?
Alors Benoît Leguet et Mathieu Orphelin devaient nous parler de ce sujet et je remercie Anne de les remplacer au pied levé sur cette partie. Voilà, ben je donne à présent la parole à nos amis et à toi Anne pour commencer, pour un premier tour de parole et la deuxième mi-temps de notre session sera consacrée à un jeu de questions-réponses avec, voilà, avec vous. Merci Antoine, bonjour à tous. Donc on va parler aujourd'hui climat et dans le climat on parle beaucoup des COP. Donc il y avait la COP 26 à Glasgow et finalement c'est la 26e, les COP se succèdent et on ne voit pas finalement beaucoup de différences. Qu'est-ce qui a beaucoup changé à votre avis avec la COP 26? Qu'est-ce que vous avez noté? Sans doute, vous l'avez vu, c'est ces images qu'on voit au JT, c'est les famines à Madagascar, mais c'est aussi les inondations meurtrières en Allemagne ou en Belgique cet été, c'est les incendies et les canicules aux États-Unis, au Canada, et finalement, ce qu'on considérait comme être des impacts pour les générations futures, eh bien, on y est. On est maintenant dans ces impacts dramatiques du dérèglement climatique. Et ces impacts, c'est pas juste pour les autres, très loin, c'est partout, c'est tout le monde. Et ça nous impacte par les sécheresses, par les ouragans plus puissants, par la montée du niveau des mers, qui touche déjà certaines populations. Donc on voit que maintenant, on est concrètement dans les impacts du dérèglement climatique. Alors, ces COP, finalement, comment ça fonctionne? Alors, au départ, il y avait le protocole de Kyoto, qui avait indiqué aux États les plus développés qu'ils devaient baisser leurs émissions de X%. Et donc, il avait été décidé au niveau global de baisse d'émissions par pays, qui avait été décidé entre pays. Quand ce protocole a dû être renouvelé, les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est l'échec de Copenhague. Et finalement, une démarche totalement différente a été mise en œuvre. Avec l'accord de Paris à la COP21 en 2015, c'est une démarche où on dit aux pays, on ne vous impose pas un pourcentage, on ne va pas décider ensemble ce que chaque pays va faire. Par contre, on se met d'accord sur un objectif commun. L'objectif commun, c'est on doit rester sous les 2 degrés et autant que possible sous 1,5 degré. Et chaque pays doit apporter une contribution nationale pour dire comment il va contribuer à la baisse des émissions pour atteindre cet objectif. Donc c'est une démarche totalement différente et cet accord de Paris de 2015, il entrait en vigueur. Donc là, les pays ont remis leur contribution pour dire comment ils allaient faire. Alors je vais revenir un petit peu quand même sur le 1,5 degré parce que le titre de la table ronde qui est climat, n'est-il pas trop tard pour rester sous 2 degrés? Il faut rappeler que dans l'accord de Paris, l'objectif 2 degrés et autant que possible 1,5 degré, c'est à la fin du siècle. Dans les scénarios du GIEC, dans la plupart des scénarios, il y a un dépassement de 1,5 degré, mais ensuite, dans certains scénarios, on rebaisse par la suite pour revenir en dessous de 1,5 degré à la fin du siècle. Et c'est bien ça dont on parle, et c'est ça qui reste effectivement bien évidemment possible. Ne jamais dépasser 1,5 degré va être effectivement très compliqué, étant donné que dans le dernier rapport du GIEC, on voit qu'on va arriver à 1,5 degré à peu près au milieu des années 30. Donc c'est extrêmement proche. L'idée, c'est de le dépasser le moins possible et de commencer à réduire dès maintenant les émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir revenir à 1,5 degré à la fin du siècle. Et c'était l'un des enjeux de cette COP26, c'est-à-dire de ne pas tuer cet objectif de 1,5 degré, dont je rappelle qu'il est extrêmement important pour des États insulaires, parce que quand on dit qu'on dépasse 1,5 degré, ça veut dire qu'il y a des îles qui sont submergées et donc des populations qui sont obligées d'aller habiter ailleurs. Donc ce n'est pas quelque chose de... ce n'est pas vraiment un détail. Entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est des dizaines de millions de personnes en plus qui souffrent de la faim en Afrique. Entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est des dizaines de millions de personnes qui souffrent de chaleur extrême en plus au niveau européen. Donc il y a des impacts très concrets et chaque dixième de degré compte. Alors quand on est arrivé à cette COP26, finalement, il y avait des engagements des États, mais quand on faisait la somme de ces engagements, on arrivait à un réchauffement de 2,7 degrés. Donc c'est bien au-delà
de l'objectif de l'accord de Paris avec des impacts qui sont très conséquents. Donc il y avait deux objectifs dans cette COP26, c'est à la fois que les pays prennent des engagements supplémentaires pour respecter la feuille de route de l'accord de Paris, et également qu'il y ait davantage de financement pour les pays les plus impactés par le changement climatique, qui sont pour la plupart pas du tout à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, mais qui souffrent le plus des impacts du changement climatique. Sur ces deux enjeux-là, à l'arrivée de la COP, il y a eu des changements, notamment les États-Unis, qui avaient décidé avec Trump de quitter l'accord de Paris, qui maintenant reviennent dans l'accord de Paris, avec des engagements complémentaires, qui sont mieux que, évidemment, sous l'ère Trump, qui ne sont pas encore suffisants pour arriver à 1,5 degré, mais donc une dynamique plutôt positive. L'Union européenne, et Aurore en parlera, s'est fixé un nouvel objectif également de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, et tout un paquet de législations et de textes qui sont en débat et qui vont être en débat pendant la présidence française de l'Union européenne au premier semestre prochain, qui permettent effectivement de se donner une ambition, en tout cas sur le papier, supplémentaire. D'autres pays avaient pris des engagements généraux, la Chine, voilà, une neutralité carbone 2060, ben pas vraiment de feuille de route, et pas de présence du dirigeant chinois, la Russie c'est pareil, Poutine ne s'est pas déplacé. Donc on voit une COP26 qui démarrait quand même sous des auspices pas très très, avec pas beaucoup d'espoir, d'autant qu'il y avait des difficultés liées à la crise sanitaire, puisque l'intérêt d'une COP, entre autres, par rapport à d'autres instances, des G20, des G7, où on parle aussi climat, c'est que dans les COP, c'est une instance onusienne, et donc il y a les pays impactés par le changement climatique qui sont là, et qui viennent témoigner, et ils ont le même droit de parole que les autres, pour dire, regardez chez moi l'impact que ça a. Et donc, ça a quand même un impact, enfin, on l'espère, en tout cas, ça leur permet d'avoir une voix. Et à la COP26, malheureusement, il n'y a pas eu de décision en fait, de donner accès aux vaccins aux personnes des pays, notamment des pays du Sud. Et donc, il y a toute une partie de la société civile des pays du Sud qui n'a pas pu venir à la COP26, ce qui a fait qu'à un moment donné, les ONG ont demandé un report, ce qui n'a pas été autorisé. Mais on voit bien que ce n'était pas une COP très inclusive non plus sur cette question des pays du Sud, et ce qui était en soi pas non plus un très très bon signal. Alors sur l'intérêt global d'une COP, je vais revenir après sur le bilan de cette COP, mais sur l'intérêt, on peut se poser la question, il y en a tous les ans, ils se réunissent, c'est des décisions par consensus, donc évidemment que c'est extrêmement compliqué d'arriver à des choses ambitieuses, et finalement on ne voit pas la concrétisation de tout ça dans notre quotidien ou dans les impacts sur le changement climatique. L'intérêt néanmoins, c'est qu'il y a un moment dans l'année où le projecteur est mis sur les dirigeants des pays, notamment les pays les plus émetteurs, et où on attend d'eux, et les médias attendent d'eux, des déclarations sur le climat et de nouveaux engagements. On donne la parole aussi à ce moment-là aux différents acteurs, y compris les ONG comme le réseau Action Climat. On donne la parole aux scientifiques. Il y a souvent des rapports aussi qui sortent à ce moment-là ou des scientifiques qui sont appelés. Et donc, ça permet quand même de remettre à l'agenda politique et médiatique cet enjeu du climat, même si derrière, il ne faut pas attendre d'une COP le grand soir et de résoudre complètement le problème du climat. Donc ces coups de projecteur sur les dirigeants les ont amenés à prendre différents engagements en parallèle de l'accord, parce qu'il y a toujours des discussions avec un accord final qui est signé à la fin, enfin signé qui est où les États se mettent d'accord, mais il y a aussi des engagements qui sont pris par des coalitions et qui sont annoncés. Donc il y a eu différentes annonces qui étaient souvent des promesses assez creuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan d'action concret derrière, mais qui donne un signal. Voilà. Par exemple, plusieurs pays ont fait une coalition pour dire « Nous, on va réduire les émissions de méthane. » Le méthane, c'est un gaz qui a vraiment un pouvoir de réchauffement très, très fort, qui est lié à la fois à l'exploitation de gaz ou d'énergie fossile avec du gaz qui fuit, soit également à l'élevage avec les roues des vaches et des moutons qui produisent ce méthane, les rizières également.
Et donc, ces pays ont dit on va réduire de 30% les émissions de méthane d'ici à 2030. C'est un signal fort parce que le méthane était peu mis en avant avant dans les discussions sur le climat. On parle beaucoup du CO2, peu du méthane. Après, les limites de ce genre d'engagement, c'est qu'il n'y a pas vraiment une répartition entre tous les pays. Est-ce que ça veut dire que chaque pays doit faire moins 30? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est ensemble et du coup, quelle est la part de chacun? Il n'y a pas un plan d'action précis. Donc, c'est plus une dynamique que quelque chose de très concret à ce moment-là. Autre type d'engagement, plusieurs pays ont dit on va arrêter les financements à l'export des installations d'énergie fossile à partir de 2022. Donc, la France a mis beaucoup de temps à rejoindre cette initiative, elle a été beaucoup poussée par les ONG, elle a fini par rejoindre cette initiative, tout en disant on ne va pas financer à l'export des installations de gaz, de pétrole, etc., mais s'il n'y a pas de capture et de stockage de carbone, qui est une technique pour, a priori, récupérer le CO2 qui sort et le stocker en sous-sol. Sauf que ces techniques, actuellement, elles existent plutôt à l'état expérimental, pas au niveau industriel, mais que chaque fois qu'on fait une nouvelle centrale, on dit oui, mais elle est compatible, tout va bien. Et donc, Bercy dit, pour l'instant, l'engagement nouveau de la France d'arrêter les financements export aux énergies fossiles, en fait, ça ne change rien à ce que la France avait déjà dit, c'est-à-dire qu'elle arrêterait, en fait, en 2035 pour le gaz, par exemple. Donc, on voit des engagements qui sont des dynamiques, mais qui, concrètement, ne changent pas forcément complètement la donne. Et puis après, il y a eu l'accord lui-même. Donc, dans l'accord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour la première fois, on parle d'énergie fossile. Ça paraît complètement dingue qu'on parle de climat et qu'on ne parle pas d'énergie fossile, mais dans l'accord de Paris, il n'y a pas le mot énergie fossile, il n'y a pas le mot charbon, il n'y a pas le mot pétrole, il n'y a pas le mot gaz. Hein, parce que les États producteurs de ces énergies fossiles s'y opposent. Donc c'est la première fois que le mot charbon existe dans l'accord. Par contre, ce qui est indiqué, c'est une baisse de l'usage du charbon sans ce fameux carbone et capture et stockage du carbone. Donc c'est un engagement qui est limité, mais qui donne quand même un signal qu'il y a un problème avec le charbon. Et on voit que dans le monde, il y a plusieurs pays qui sont en train quand même de fermer des centrales à charbon, ce qui est plutôt un bon signal. Il y en a d'autres comme la Chine qui malheureusement continuent à en utiliser beaucoup. Chose importante dans cet accord, c'est la réaffirmation de l'engagement à 1,5 degré. Donc c'est vraiment réaffirmer cet objectif de rester autant que possible sous 1,5 degré à la fin du siècle, et ça c'était extrêmement important. Ensuite, sur l'aspect financier, il n'y a pas eu de nouveaux engagements malheureusement sur la partie adaptation, on en parlera après sur la partie adaptation je pense en France, mais l'adaptation à l'international c'est extrêmement important, on sait que le changement climatique il est là, on sait qu'il a des impacts, il faut que les pays puissent avoir des moyens pour s'adapter, modifier leur agriculture, leurs infrastructures à ces changements de conditions météo, etc., ou montée du niveau des mers. Là malheureusement 100 milliards avaient été annoncés par an devait être là à partir de 2020, on aura a priori 80 milliards et il n'y aura pas le reste et il n'y a pas d'annonce sur comment obtenir le reste. Autre aspect financier, les pertes et dommages. Pertes et dommages, c'est quoi? C'est qu'il y a des dégâts irréparables liés au changement climatique. Vous avez des ouragans qui ont détruit des infrastructures, des habitations. Vous avez la montée du niveau des mers qui va rendre des terres incultivables. Ça, c'est irréparable. Ça, dans les pays qui ne sont pas eux-mêmes responsables du changement climatique, qui n'ont pas émis, ils considèrent que les pays qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre devraient effectivement financer pour ces pays impactés ces pertes et dommages. Or là, il y a une fin de non-recevoir dans l'accord. Malheureusement, le sujet n'a pas du tout avancé et la France a fait partie des pays qui ont vraiment freiné sur cet aspect des pertes et dommages. Résultat des courses, je vous disais qu'en arrivant à la COP26, on était à 2,7 degrés sur les engagements. Hein. Je ne vous parle pas des actions réellement qui vont être mises en place, mais sur les engagements. À la fin, avec tous les autres engagements, pas forcément très très concrets, mais on arrive à 2,4 degrés, donc il y a des engagements en plus. Par contre, on est toujours au-dessus de cette limite de 2 degrés, autant que possible 1,5 degré qui a été réaffirmée. Donc prochaine COP, la COP27 en Égypte,
ça sera important, effectivement. Je pense que c'est intéressant d'avoir une COP en Égypte où on va avoir aussi la parole des pays du Sud. Ça sera assez intéressant. Mais voilà, il faut que d'ici là, les pays ils amènent vraiment du concret sur des baisses d'émissions et qu'ils n'arrivent pas les mains vides, comme cette année, sur les financements pour les pays du Sud. Mais surtout, la chose importante, c'est d'avoir en tête que les émissions qui ont baissé du fait de la crise sanitaire, donc il y a eu une sorte de pause sur les émissions de gaz à effet de serre, elles sont en train de rebondir très très rapidement. En fait, en France, là, au premier semestre 2021, il y a eu plus 8% des émissions de gaz à effet de serre. En Chine, à la fin de l'année 2020, le trafic aérien avait repris la normale comme avant la crise sanitaire. Donc en fait, on n'a pas changé l'économie, on a fait un plan de relance, mais on a relancé l'économie comme avant, quasiment. En France, on n'a pas du tout, mais on parlera de la France après, orienté les aides aux entreprises en disant aux entreprises de changer leurs process et les produits qu'ils produisaient. Donc malheureusement, on se dirige pas vers quelque chose qui serait meilleur sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc la COP27 partira probablement sous des auspices difficiles. Et donc c'est bien au niveau des États maintenant qu'il faut agir. Il ne faut pas attendre effectivement un grand soir de l'international. C'est important, ces rencontres internationales, mais c'est vraiment au niveau des pays, au niveau des régions, au niveau des intercommunalités et au niveau de chacun, des entreprises, des syndicats, des associations, qu'il faut agir pour changer les choses, parce qu'on peut changer les choses sur les transports, sur le bâtiment, sur l'industrie, sur l'agriculture, de manière locale ou nationale, et c'est vraiment à ce niveau-là où il faut mettre les moyens pour avoir une situation qui soit meilleure à l'entrée de la prochaine COP27. Merci beaucoup Anne, je crois que c'était très clair de recadrer un peu comme tu l'as fait ce qu'il faut attendre de ces rencontres onusiennes et ce qu'il ne faut pas ne pas en attendre non plus, et que tout se joue au niveau national et local. Tu as également je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur les questions de d'atténuation, de baisse des émissions de gaz à effet de serre ici en Europe ou en France, mais je voudrais qu'on parle de ce sujet de l'adaptation maintenant, parce que tu en as parlé Anne, c'est un peu un enjeu extrêmement important, et on voit que chaque dixième compte maintenant. Donc voilà, Marc, peut-être tu peux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Bonjour, oui. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à m'exprimer ici. Je suis vraiment très très content d'être là. Donc tu l'as indiqué, je suis chercheur à INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Mais je m'exprime en mon nom propre, ce que je vais dire là n'est pas l'expression ou la position de mon institut, hein, loin de là. Je participe beaucoup aux travaux de Solagro, mais je ne m'exprime pas non plus au titre de Solagro, même si tout ce qu'on a échangé m'inspire beaucoup. Et je précise aussi que je suis membre de l'ATECOPOL, qui est un groupement toulousain de scientifiques qui, depuis 3-4 ans, réfléchissent sur qu'est-ce que ça veut dire faire de la science dans l'anthropocène aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, comment on y réagit. Et en tant que scientifique, peut-être pour vous surprendre un petit peu, je commencerai par vous parler de mes sentiments, parce que c'est finalement ce qui me motive d'être là. Sentiments de colère, voilà, la COP 26 a ravivé une colère latente qui m'anime, dont nous sommes un certain nombre de scientifiques à être animés aujourd'hui, de l'inquiétude très forte, et puis une sorte de découragement parfois que j'essaye de positiver, de rendre constructif. Je trouve que c'est important de partager ça, de sortir de nos débats un petit peu froids, là où on est tous assis tranquillement, et j'en suis content, à parler de choses qui sont quand même des catastrophes, qui tuent des gens, qui vont peut-être nous faire souffrir, qui peut-être vous feront souffrir, et je trouve que garder ça un peu dans notre coin de notre tête, sans que ça handicape notre réflexion,
ça me paraît utile. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a motivé à un moment donné à sortir du confort de mon travail, de mon laboratoire, de mes sujets de recherche. Je ne suis pas un spécialiste du changement climatique, je ne suis pas un spécialiste particulier de l'adaptation. Je m'intéresse au paysage, aux relations entre des systèmes écologiques et des systèmes humains, leurs interactions. Et en travaillant sur ces sujets-là, eh bien, moi et d'autres, on s'est dit qu'il y avait quand même des idées, des choses où on pouvait contribuer aux réflexions sur ces problématiques liées au changement climatique. Et c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir venir en parler là, très modestement par rapport à vos compétences, c'est vos métiers. Je me tourne vers mes deux autres panélistes, mais voilà, bon, c'est ma contribution. Donc le changement climatique, l'atténuation, oui, c'est super important. Chaque degré, chaque dixième de degré va compter. Il faut continuer, il faut aller à fond, il faut des mesures qui soient beaucoup plus radicales, beaucoup plus fortes, beaucoup plus offensives, et qu'on les soutienne. Ça, c'est sans conteste. Donc quand je vais parler de l'adaptation, c'est pas adaptation ou atténuation, c'est l'atténuation. Oui, il faut y aller, très fort. Mais c'est vrai, quand on regarde les choses, il y a des raisons quand même de s'inquiéter. Parce que quand on voit la gueule de la courbe qu'il faudrait suivre, la descente vertigineuse dont la pente ne va qu'en s'amplifiant au fur et à mesure que les années, les mois passent, on se dit quand même, oui, c'est pas mort, mais si on fait ce qu'il faut faire, ça va quand même nous secouer tous, les uns et les autres. Et ça va amener des changements dans nos sociétés qui... on a de la peine à les imaginer soft et tranquilles. Voilà. Et donc, quelque part, cette difficulté-là les rend pas improbables, mais en tout cas, peut-être qu'on ne les fera pas tous. Et puis, une deuxième dimension, alors, j'ai constaté ça en faisant des interventions dans le grand public, alors je le reprécise, alors peut-être que vous êtes suffisamment avertis pour peut-être enfoncer une porte ouverte, mais pour beaucoup de gens, quand on parle d'atténuation, ils sont rassurés un petit peu par les politiques. Voilà, ah ben oui, en France, nous, on fait beaucoup de choses pour l'atténuation quand même. Politique, dont on peut discuter longuement, on a une électricité décarbonée, ah, tant mieux, on s'est engagé dans telle et telle direction, on prend des engagements, on va dépenser de l'argent dans ça. Et pour les gens, on a souvent l'impression que, puisqu'on fait ces actions-là, ça nous protégerait contre les effets du changement climatique. Et non. Nos efforts individuels, collectifs, sont sans mesure et sans rapport avec les impacts que l'on aura du changement climatique. Ce qui compte, c'est le bilan global à l'échelle mondiale. D'où l'importance de ces négociations internationales, d'où l'importance de se coordonner, mais aussi le risque que si les pays, les contributeurs les plus importants ne font pas ce qu'il faut, eh bien, les conséquences seront bien plus élevées que ce que l'on craint, malgré tous nos efforts. Et donc, moi, ça m'a amené à me dire, ben, il faudrait quand même, et je me suis dit, mais on doit sans doute avoir réfléchi à l'adaptation, c'est-à-dire, et si on se mettait dans l'idée que peut-être que quand même 2,7, voire plus, peut-être moins, on ne sait pas très bien, ça se produisait, qu'est-ce que ça voudrait dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et comment on y réagit, comment on s'y prépare. Alors, il y a des travaux dessus, qui réfléchissent à ça. À certains égards, moi, je les trouve un petit peu insuffisants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très fortement sectoriels. L'industrie se dit comment on va s'adapter au changement climatique. Et ils y réfléchissent avec toutes sortes d'approches, plutôt physiques ou biophysiques. La foresterie, la forêt, se dit comment on va s'adapter au changement climatique. Il y a de longs travaux là-dessus. Mais c'est des approches très biophysiques. Quelles essences, comment les sols vont réagir, quel type de sylviculture on va pouvoir mettre en place. Idem sur l'agriculture. Donc c'est utile, bien sûr, c'est utile, hein, je critique pas, mais il me semble que ça néglige des choses comme ce qu'on peut appeler des effets induits, qui vont être plutôt socio-techniques. Le fait que le pétrole est en train de grimper, ça a déjà des conséquences énormes sur le prix des engrais minéraux, des engrais chimiques qu'on peut mettre sur certains types de cultures.
qui dit hausse de ce prix-là, eh bien, entraîne soit un usage moindre de ces engrais, un impact sur les rendements, un impact éventuellement aussi sur les prix des denrées alimentaires. Et on sait que certaines populations peuvent être très sensibles à des petites variations de ces prix. Et on voit bien que cette dimension-là de l'adaptation, elle n'est pas prise en compte dans des analyses purement biophysiques sur la façon dont pousseraient des plantes dans un climat à 2,7 degrés. C'est la même chose avec le bois et la forêt, où le prix de l'énergie grimpant, on voit se développer tout un usage un peu anarchique, parce qu'on ne l'a pas préparé, du bois énergie, un peu en tous sens, pour se substituer à ça. Et l'avenir des forêts, il est peut-être plus autour de la façon dont les gens vont se jeter sur les quelques bois qui sont accessibles que sur les plans que l'on pourra avoir élaborés en termes d'adaptation des forêts. Par ailleurs, cette approche sectorielle, finalement, elle intègre mal les interactions et puis les arbitrages qu'il peut y avoir à faire entre les différents secteurs. Oui, bien sûr, la viticulture, et à l'INRAE, on l'a fait longuement, et ce n'est pas une critique hein, à certains égards. On s'est intéressé à la façon dont la viticulture va s'adapter au changement climatique. Quels effets sur le taux d'alcool, sur le goût du vin, sur les endroits où on pourra cultiver de la vigne. Mais franchement, dans un monde où on risque d'avoir faim, est-ce que c'est vraiment la viticulture qui va être notre premier souci? Et donc ces approches sectorielles, me semble-t-il, passent un peu à côté de ces relations-là. Et c'est pourquoi on pense qu'une des pistes sur lesquelles il faudrait qu'on travaille beaucoup plus, c'est des approches beaucoup plus territoriales et solidaires. Ça serait, nous semble-t-il, une façon, à travers les territoires, et je ne leur donne pas une limite, c'est pas une échelle particulière, mais c'est de croiser les différents secteurs, croiser les différentes contraintes, les différentes ressources, les différents besoins, la diversité des situations, des territoires, qui sont finalement l'entité concrète, réelle, qui va être impactée par le changement climatique. Les cadres de recherche autour de ça, ben c'est par exemple tout ce qu'on appelle le métabolisme territorial. C'est l'idée d'essayer de comprendre comment les flux de matière, d'énergie, circulent au sein d'un espace entre les différents acteurs. Comment on peut mieux le percevoir, comment on peut l'analyser, comment on peut le comprendre et quelle fragilité il a. C'est aussi mon domaine de recherche particulier, qui est l'écologie des paysages, qui essaye de comprendre comment des interactions spatiales, le fait que différentes ressources soient plus ou moins proches les unes des autres, ben, ça rend un territoire plus ou moins résilient, plus ou moins capable d'évoluer. Alors on se dit, ben oui, cette approche-là, elle permet d'anticiper. Mais en fait, l'adaptation, c'est aussi le constat qu'il est très difficile d'anticiper à des échelles fines, localement, les impacts du changement climatique. Et à certains des cas, ça nous conduit à réfléchir beaucoup plus en termes de réactivité, de capacité d'adaptation. En quoi un territoire a, du fait de ses ressources humaines, matérielles, biologiques, techniques, la capacité de réagir à des changements dont la nature peut être assez indécise à un moment donné. Et pour ça, je trouve que ça change, par exemple, la donne et la façon de lire les enjeux autour des énergies renouvelables, du développement des énergies renouvelables. Bien évidemment, les énergies renouvelables, elles vont contribuer, elles doivent contribuer, on en a absolument besoin pour l'atténuation, pour changer, diminuer la quantité de carbone qu'on va émettre dans l'air. Mais aussi, à mes yeux, parce qu'elles sont beaucoup plus facilement gérables à des échelles fines, parce qu'elles sont pour la plupart très dispersées, accessibles, mobilisables. On n'a pas besoin d'avoir une armée d'ingénieurs pour gérer un champ de panneaux photovoltaïques. On n'a pas besoin d'avoir une armée d'ingénieurs ou des mirages pour surveiller les sites pour installer des chaudières bois. On n'a pas besoin de, que sais-je, comme autre exemple, pour gérer, utiliser, mobiliser, réparer, entretenir, valoriser ces dispositifs-là. Donc, pour moi, il y a quelque part un intérêt supplémentaire dont finalement on entend assez peu parler des énergies renouvelables, qui est cette capacité à être présente de façon différenciée sur le territoire. Le bois énergie, à cet égard, à mon avis, est une des énergies qui va
qui a le plus d'atouts, parce qu'on peut en faire énormément de choses, à la fois un matériau, à la fois de l'énergie, à la fois une ressource pour la biodiversité, à la fois quelque chose qui va permettre d'adapter les conditions environnementales au changement climatique. Bien sûr, ça va aussi donner lieu à une grande diversité de situations, et ça c'est aussi une autre richesse. Parce que cette diversité de situations, s'il y a un partage d'expérience, s'il y a un partage des connaissances, un partage de ce qui sera appris, ça sera une façon d'explorer des possibles, des techniques, des façons de faire, de s'organiser différentes pour réagir, s'adapter aux conséquences des changements, des dérèglements climatiques qu'on ne maîtrise pas complètement. Tous les territoires ne sont pas à la même enseigne vis-à-vis de ces situations-là. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension de solidarité. Tout le monde n'est pas équitable vis-à-vis de ces situations. Et c'est l'idée de partager, de faire interagir les différents territoires. Ça n'est pas des territoires autonomes, l'indépendance énergétique, on produit tout nous-mêmes en local. Je participe aussi aux réflexions d'une association extrêmement intéressante qui s'appelle les Greniers d'Abondance, qui travaille sur la résilience alimentaire. Comment on fait pour s'assurer que les aliments arrivent bien aux gens qui en ont besoin, même dans nos pays. Et une de leurs conclusions, c'est de dire, ben oui, il faut sans doute reterritorialiser, relocaliser la production alimentaire autour des lieux et des consommateurs, mais il faut faire attention de ne pas faire que ça. Parce que si toute votre production alimentaire, elle est autour de votre petite ville ou de votre petit village, s'il y a un problème qui se produit à cet endroit-là, et j'en cite un, Lubrizol, eh bien, votre production alimentaire est menacée. Et donc l'interaction, les interconnexions entre les différents territoires font partie sans doute aussi de cette idée d'une résilience collective. Ça conduit à réfléchir beaucoup plus, enfin beaucoup moins en termes d'optimisation. On avait en agriculture, en foresterie, en gestion des territoires, une réflexion qui était très optimalisée. On visait à optimiser les processus et à réfléchir beaucoup plus en termes de sécurité, de réactivité, de capacité adaptative. Alors ce que je dis là, j'ai bien conscience que c'est à la fois pas vraiment nouveau, c'est des idées qui paraissent assez simples, sur lesquelles il y a déjà des travaux, elles sont limitées aussi, hein. Je vois bien que c'est les villes là-dedans, on a de la panne à les faire rentrer. Ce que je veux porter ici, c'est de dire mais on devrait quand même se saisir un peu plus sérieusement, un peu plus au fond de ces questions d'adaptation dans ces différentes dimensions, en envisageant de façon réaliste et sans dramatiser, sans fatalisme, des situations et des conséquences plus ou moins dramatiques de phénomènes catastrophiques auxquels on n'avait pas l'habitude de réfléchir. Alors peut-être que parmi vous, certains en disent, ça y est, on a repéré le collapsologue de la table. Je m'inscris, collapsologue, c'est ceux qui disent tout va s'effondrer, c'est la fin de l'humanité. Un, je ne m'inscris pas forcément dans ce courant-là. Deux, il n'est pas interdit d'y penser, d'y réfléchir et de conduire des recherches dans ce sens-là, parce que je pense que ça fait partie des choses qui méritent d'être réfléchies. Et trois, sans parler de l'effondrement et de la disparition du genre humain, quand même, ce qui est devant nous, c'est certain qu'il y a des gens qui vont en souffrir. C'est certain qu'il y a des gens qui vont pâtir de ces situations-là de façon assez dramatique. Peut-être parmi nous, peut-être autour de nous. En tout cas, c'est sûr, dans notre pays. Et rien que ça, ça mérite qu'on s'intéresse vraiment sérieusement à ce que pourrait être cette souffrance et comment on peut l'éviter. L'atténuation et l'adaptation. Merci beaucoup Marc, je crois que tu nous as un peu secoué. Personnellement, je ne trouve pas que tu sois le collapsologue de service, mais je dirais plutôt que à travers cette question, c'est aussi un modèle social que tu décris, un modèle de société qui est plutôt enthousiasmant, je dirais. On est effectivement confronté. Il y a cette souffrance, ce danger qui est là, et puis il y a aussi une opportunité de,
de réorganiser quelque chose. Il y a quelque chose de très positif dans cette manière d'aborder la question de l'adaptation, alors qu'on le pense toujours en termes de protection, de digues qu'il faut construire contre l'élévation du niveau des mers, etc. Et tu montres complètement autre chose, et ça vraiment, je t'en sais gré. Et puis tu l'articules bien, cette question de l'adaptation, avec la question de l'atténuation. Quand tu parles des énergies renouvelables, c'est pas simplement pour atténuer, c'est aussi parce que c'est une forme d'organisation sociale, de résilience, de territoire. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec cette question de l'atténuation au niveau européen, Aurore. Donc l'Europe qui prend des engagements extrêmement ambitieux, peut-être déjà c'est une bonne nouvelle, comment on en est arrivé là. Et en face, on n'a pas non plus l'impression qu'on se mette vraiment en ordre de bataille pour faire ce qu'on dit. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Puisqu'il est question de sentiments, c'est la première fois que je suis à une table qui n'est pas animée par Philippe Frémaux à ces journées, donc je pense très très fort à lui. Et puisqu'il est question de sentiments aussi face à la situation que nous traversons, mon sentiment à moi, ce serait plutôt celui de l'incompréhension. C'est-à-dire que pour une fois, on sait ce qui est en train de se passer, tout est suffisamment documenté. On a les moyens, on a quand même beaucoup de moyens institutionnels, financiers, humains, de connaissances à mobiliser pour pouvoir y faire face. Et pourtant, on fait pas ce qu'il faut. Et c'est quand même quelque chose, moi, qui, dans mon quotidien, toujours m'interpelle. Je me dis, mais comment on arrive à cette situation qui est totalement irrationnelle, pour le coup, qui est que la maison brûle. Et on ne regarde pas ailleurs, en fait. On est dedans et on la regarde brûler. On a pas mal de lances à incendie à disposition. Et puis, on préfère utiliser les petites lances à incendie alternatives qui ne donnent pas vraiment de résultats. Mais bon, on les connaît et puis elles ne chamboulent pas trop notre quotidien. C'est quand même, moi, je trouve très perturbant. Alors, 2 degrés, est-ce que c'est tenable ? Non. Pour l'instant, d'après les trajectoires qu'on a, malheureusement, et un monde à 2 degrés, c'est quoi ? C'est un monde où certains endroits sont inhabitables. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a des intempéries, parce qu'il y a des sécheresses, etc. En Afrique, il faut se rendre compte, par exemple, qu'une personne sur deux dépend de l'agriculture de subsistance, de l'agriculture vivrière. Ça veut dire que, il y a une personne sur deux qui va se retrouver dans des situations intenables. Et on parle bien, effectivement, de la vie. Et c'est ce qui nous motive quand on se bat pour faire en sorte que si on n'arrive pas à tenir cet objectif d'1,5 et 2 degrés, chaque dixième va compter, parce que chaque dixième sera encore plus de drames et de drames humains. Donc notre responsabilité, elle est historique, et celle de l'Europe en particulier, parce que nous avons une responsabilité historique dans le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Et donc nous devons être exemplaires, même si nous ne le sommes pas, et nous devrions aider d'ailleurs les pays des tiers-mondes. Et dans cette perspective, ce qui s'est passé à Glasgow, et je trouve particulièrement honteux, c'est-à-dire qu'on a quand même déréglé le climat et on est en train de construire des murs pour se protéger des gens qui vont être obligés de se réfugier, et à qui en fait on doit quelque chose, parce qu'on leur est redevable. Maintenant, au niveau des ambitions européennes. Les ambitions européennes vont plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a une commission européenne qui, effectivement, nous a dit qu'elle souhaitait être neutre d'un point de vue émission de gaz à effet de serre en 2050, avec un objectif qui a été rappelé par Antoine, qui est de réduire les émissions de 55% par rapport à 90 d'ici 2030. Ça paraît rien et ça paraît être frappé du coin du bon sens, même s'il faudrait que ce soit 65% et pas 55% d'ailleurs. Néanmoins, il faut se rendre compte que l'Europe, c'est le Parlement européen qui est à mon sens la meilleure institution, je prêche pour ma chapelle, mais c'est la Commission européenne. Et la Commission européenne, c'est quand même du compromis entre des États. Et entre des États qui n'ont rien à voir entre eux, parce que dedans, il y a quand même le pays d'Orban, le pays de Macron, le pays de Pedro Sánchez. Tout ça, ce sont des États avec un qui est d'extrême droite quasiment, l'autre qui est plutôt social-démocrate, l'autre qui est en même temps beaucoup de droite, à mon sens.
Voilà. Donc on est quand même sur un accord qui n'est pas simple à trouver et qui est présidé, cette Commission européenne, par la droite allemande. Il faut se rendre compte, c'est la droite allemande. Et malgré tout, on arrive à des objectifs qui sont ambitieux, qui sont, je trouve, très ambitieux. Et il y a une vraie sincérité dans l'analyse de la Commission qui est de dire la question environnementale est notre priorité. Là-dessus, le constat, je pense, est le bon. Il est sincère. Après, le problème, c'est de passer aux moyens et de changer le logiciel. Et c'est là où ça va commencer effectivement à bloquer. Alors, on va analyser ensemble, et je vais essayer de ne pas être, un peu enquiquinante, parce que des fois, effectivement, les questions européennes, ça peut être un peu à 15h de l'après-midi, ça peut vous endormir un petit peu. Donc, on va essayer de faire ça de manière active, disons. On va tomber exactement sur ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on va avoir des politiques sectorielles. Donc, a été présenté au mois de juillet ce qu'on appelle le pacte Fit for 55, c'est-à-dire l'Europe qui se met en branle pour atteindre sa cible de réduction de 55% d'émissions de gaz à effet de serre avec un paquet législatif de 12 mesures. Ça va comprendre essentiellement le secteur des transports, qui est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre en Europe après la production et l'utilisation de l'énergie. Et donc là, la Commission se dit... Donc, c'est une proposition de la Commission pour l'instant à ce stade. Il va falloir déjà que le secteur maritime se mette à intégrer les quotas carbone. Je vous expliquerai ce que c'est tout de suite après. Il va falloir aussi que son carburant soit plus propre. D'ici 2030, on doit réduire l'intensité carbone de 75%. Même chose côté aviation, il va falloir qu'on arrête les quotas gratuits les quotas d'émissions de CO2 gratuits pour l'aviation d'ici 2027. Là aussi, des normes vont être mises sur les carburants utilisés. Et puis, on va peut-être taxer le kérosène. Waouh, il serait peut-être effectivement temps. En commençant par les lignes privées, et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour une fois, puis par les lignes commerciales. Et puis, on va intégrer là aussi une sorte de taxe carbone côté routier, côté transport routier et côté aussi chauffage. Et la mesure, à mon avis, la plus forte, c'est de dire que plus de vente de véhicules neufs thermiques d'ici 2035. Voilà. Et à mon avis, c'est d'ailleurs la mesure la plus forte qui a été sortie. Donc, on va réformer le marché de CO2. En fait, comment ça fonctionnait avant le marché de CO2? Vous savez, il y a plusieurs possibilités pour taxer le carbone. Si vous faites une taxe, soit vous faites un marché, c'est-à-dire que vous émettez en gros des bons de carbone. Vous avez le droit d'utiliser, absolument n'importe quoi, une tonne par-ci, une tonne par-là. Le problème, c'est que l'Europe en avait émis beaucoup trop. Certains secteurs en avaient gratuitement, en fait, quasiment. Et même pas du tout quasiment, gratuitement. Donc là, l'idée, c'est d'étendre ce marché à des secteurs polluants qui n'étaient pas intégrés, l'aviation, le maritime, etc., puisque ça concernait uniquement 10 000 industries très polluantes, et puis supprimer petit à petit ces quotas gratuits pour faire augmenter le prix et faire en sorte que ça devienne un peu plus cher qu'avant de polluer. On va avoir aussi ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement aux frontières. En gros, c'est une taxe carbone aux frontières. Et l'idée, c'est de dire, mais il ne faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale d'un point de vue environnemental. Donc, en gros, si on importe des produits sont produits à l'extérieur de manière beaucoup plus polluante, ils seront intégrés au marché carbone européen. Donc, ça va concerner l'acier, le fer, etc. Ça va être un peu une machine à gaz, pas forcément simple à mettre en œuvre, mais bon, c'est un peu l'idée. Avec ça, tout ça servira normalement à financer un fonds social de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas folichon au niveau européen. 10 milliards au niveau européen, ce n'est pas grand-chose, mais l'idée est de pouvoir aider à financer la rénovation thermique des bâtiments, le passage à l'électrique, etc. Réforme de la taxation énergétique aussi, et puis un objectif dans les productions de renouvelables avec la réforme de la directive énergie renouvelable, qui est de passer à 40% d'ici 2030. Et à côté de ça, on a tout ce qu'on appelle, sous le nom barbare, de taxonomie, qui est de dire qu'en fait, on va un peu normer quelque part ce qui est considéré comme investissement vert ou bas, tout ça se faisant sur une base volontaire. Voilà, le reste était contraignant, la taxonomie, c'est sur une magnifique base volontaire. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une perspective très sectorielle. Alors, une fois que tout ça est proposé par la Commission européenne, la prochaine étape, c'est quoi ?
c'est la négociation avec le Conseil. Le Conseil, c'est les États membres. Et c'est là où ça se gâte, en général, en fait. Contrairement à ce qu'on croit, sur certains sujets, pas tous, la Commission est plus ambitieuse que les États. Et là, on va avoir la France qui va vouloir mettre du nucléaire partout, l'Allemagne qui va vouloir mettre du gaz partout, la Pologne qui va vouloir mettre du charbon, etc. Donc les choses vont légèrement se compliquer. Mais une fois qu'on a analysé ça, maintenant on va arriver dans des choses, j'espère, un peu moins embêtantes. Le vrai sujet, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'au niveau européen, d'un côté, on fait tout ça et c'est ambitieux. C'est ambitieux parce que c'est plus ambitieux que quasiment tous les programmes environnementaux des États, sincèrement. À part l'Allemagne qui vient de dire qu'elle va sortir du charbon en 2030 et qu'elle renonce aussi au thermique, mais bon, elle va mettre du gaz, mais le gaz est quand même, il est vraiment polluant que le charbon, même si je ne suis pas pour le gaz. Sincèrement, c'est des objectifs qui sont plutôt ambitieux par rapport au reste des États membres. Le problème, c'est tout ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire qu'à côté de ça, on va rester dans des politiques économiques où la Banque Centrale Européenne, quand elle va aider tout le monde pendant la crise, quand elle va faire des politiques de quantitative easing, quand elle va faire du refinancement, etc., elle va financer aussi bien les secteurs fossiles que non fossiles. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on n'a pas de budget européen pour aider qui que ce soit. En fait, on n'a pas de budget au niveau européen. On a un budget qui est largement inférieur à celui de la France, par exemple. Et donc, on ne peut pas mener, par exemple, des politiques d'investissement. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'investir, investir, investir dans la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, d'avoir une politique industrielle ambitieuse, etc. Ça, on n'a pas. On va voir qu'en parallèle, là, on va signer à tour de bras des accords de commerce. Voilà, parce que quand vous créez une direction générale commerce international, bizarrement, elle signe des accords de commerce. Elle va pas mettre en jeu sa survie et se dire, ah ben non, peut-être que finalement, le libre-échange, il y en a assez comme ça et qu'on peut peut-être que l'enjeu, c'est autre chose. Non, elle va continuer à en signer. Donc en fait, on a quelque part, sur certains domaines, des choses très ambitieuses et de l'autre, on continue comme avant. Même chose dans le plan de relance. Le plan de relance européen qui aurait été un moyen de réorienter l'économie, parce que c'est dans les moments de crise en plus qu'on peut bien réorienter les choses, les pouvoirs publics étant en rapport de force dans ces moments-là, ben non, si on arrive sincèrement à 20% à l'intérieur je ne crois pas aux chiffres officiels là-dessus, d'investissement vert, ce sera un grand maximum. Donc on voit qu'on reste dans un logiciel économique qui va à l'encontre finalement des objectifs sectoriel, effectivement. Et en fait, là où le bât blesse, c'est quand on a du mal à changer de logiciel intellectuel. Et même les solutions là, qu'on peut voir, comme les marchés carbone, comme le fait de dire on va faire de la compensation carbone, c'est-à-dire qu'en fait, on continue à polluer, mais on achète des droits pour compenser sa pollution en disant qu'on va planter des arbres en Madagascar, pour donner juste un exemple. Ça va être toujours les mêmes d'ailleurs, et qui sont souvent des espèces polluantes pour les sols. Typiquement, voilà, on reste dans un logiciel où on ne se dit pas qu'on remet l'économie à sa place, c'est-à-dire au service de la société dans le respect des limites de la biosphère, mais on cherche à quand même continuer un petit peu comme avant, trouvant des solutions dites de marché. Et ça, malheureusement, c'est vraiment ce qui pêche pour l'instant au niveau européen. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause l'idéologie dominante jusqu'à présent. À un moment, on sent qu'ils se disent « on va faire de la croissance verte, ça existe ». On n'a jamais eu de découplage entre les émissions de gaz à effet de serre et le PIB, c'est-à-dire que les deux vont toujours de pair. Mais ils vous disent qu'à un moment, ça va arriver. Et je trouve que c'est un pari relativement risqué, quand on a 10 ans pour tout changer et qu'on parie sur une solution qui n'a jamais existé. Voilà, ils sont dans cette optique-là, dans l'optique aussi du mythe de la rupture technologique, c'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, on va bien trouver les technologies nécessaires qui vont nous permettre finalement de ne rien changer. Et c'est ça en fait la plus grande des difficultés, je pense, au niveau européen, mais pas qu'au niveau européen d'ailleurs, parce que l'Europe, elle est faite de ses États membres, donc des États membres, et in fine de la nôtre, parce que c'est nous qui élisons nos dirigeants. C'est qu'on a du mal, en fait, à se dire qu'il va falloir changer de modèle,
sortir de l'obsession de la croissance, peut-être ralentir le rythme un petit peu, sortir d'une sorte de démesure dans laquelle on est tombé, avoir des biens où on va les consommer peut-être moins, mais consommer beaucoup mieux, donc redevenir matérialiste, pour le coup, parce qu'on est dans une culture du tout jetable. Et c'est ça pour l'instant qu'on n'arrive pas à faire, et c'est là à mon avis où le bât blesse. Donc si on avait une vraie politique environnementale à faire au niveau européen, moi c'est ce que je dis toujours à mes collègues, vous savez, au niveau européen on choisit ses commissions, on peut être dans la commission environnement, commerce international, économie, etc. Moi je dis toujours à mes collègues, si vous voulez faire de l'écologie, venez en commission écon, venez en commission économique. Parce qu'en fait, c'est là où on n'en parlera pas. Et tous les enjeux, ils sont là, en fait. C'est être en capacité de remettre l'économie à sa place. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est d'autres mesures de richesse au niveau européen. Avoir des politiques monétaires, notamment celle de la Banque Centrale Européenne, verte, parce que c'est une vraie, vraie force de frappe, pour le coup. Et se battre pour un budget européen pour pouvoir mettre en place un certain nombre de politiques, notamment d'investissement, parce que c'est vraiment ce dont on manque le plus au niveau européen pour pouvoir changer les choses. Et je pense que j'ai fini sur mon temps de parole. Et comme disait Philippe Frémaux, il faut toujours continuer à se battre parce que le pire n'est jamais certain. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. Oui, le pire n'est jamais certain. Je vois que l'heure tourne. Je pensais de te donner la parole, Anne, pour parler de la situation en France, mais comme il nous reste une demi-heure, je pense que ce serait peut-être plus judicieux de vous donner la parole à vous si vous souhaitiez intervenir, interpeller, poser des questions. Et peut-être dans le fil de la discussion, on pourra peut-être reparler peut-être plus spécifiquement de la situation en France pour ce qui est des politiques de cette... Pas de problème. Bon, merci. Oui, je vois un bras. Oui, je vois. Est-ce qu'il y a un micro qui se... Monsieur, oui, allez-y. Oui, allez, oui. Alors, la COP, malheureusement, c'est l'endroit où les lobbies des fossiles sont souvent les plus présents. C'est-à-dire que quand vous allez dans une COP, vous avez une sorte de hall d'exposition. Et là, vous avez toutes les entreprises d'énergie fossile qui font leur promotion. Je ne parle pas des États comme le Qatar ou autres qui font également leur promotion. Et c'est l'un des problèmes de ces COP, c'est à quel point on voit le poids effectivement financier et de puissance de ces entreprises d'énergie fossile et à quel point elles freinent toute avancée dans les négociations. Donc clairement, c'est pas dans les COP qu'on va avancer par rapport à ces entreprises. Et ça, c'est une action à mener, alors à la fois au niveau des États et au niveau de la société civile, pour vraiment les amener à changer complètement leur business model. Enfin, de quoi elles vivent. Mais c'est clair qu'une entreprise dont le métier c'est de faire des énergies fossiles, alors que l'Agence internationale de l'énergie dit que si on veut rester sous 1,5 degré, il faut arrêter toute nouvelle exploration d'énergie fossile, clairement il faut qu'elle change de métier rapidement, et ça pour l'instant c'est clairement pas engagé. Oui, bonjour Daniel Lenoir. Je voudrais partager une question que j'ai partagée tout à l'heure avec Aurore. C'est la capacité de nos démocraties à avoir un sursaut sur ces questions-là. Alors bien sûr, il y a l'influence des pouvoirs économiques, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les citoyens, l'ensemble de la démocratie, s'approprient le sujet. Je me souviens d'une discussion
quelque temps avec Jean Pisani-Ferry, qui n'est pas tout à fait dans la ligne de ce qu'on dit aujourd'hui, qui disait en fait c'est très compliqué parce qu'il y a un arbitrage entre un risque qui honnêtement est un risque existentiel, qui n'est pas que pour les populations du Sud, même si elles, enfin, les pays les plus en difficulté, qui est un risque existentiel aussi pour nous, et une perte de ce qui est ressenti comme du bien-être, alors que par ailleurs, les conséquences, elles ne sont pas immédiatement visibles. Et bon, il m'est venu une idée, parce que je l'ai entendu, c'est que l'histoire des 1,5 degré ou des 2 degrés, en fait, ce n'est pas extrêmement perceptible, parce qu'on se dit finalement, s'il fait, au lieu de l'été, s'il fait au lieu de faire 22 degrés, il fait 24 degrés, après tout, ce n'est pas très grave. Mais c'est la comparaison avec le corps humain. Quand on passe de 37 degrés 2 le matin à 39,2, là on sait, on voit ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire vraiment comprendre à l'ensemble des citoyens, à nos démocraties, qu'il y a un enjeu existentiel, mais qui va être, que cet arbitrage se fasse dans le bon sens en quelque sorte. C'est une question qui s'adresse à tout le monde, mais notamment à Aurore. Parce que... Oui, c'est... merci. Merci, Daniel, de cette... Mettez l'expression de la démocratie au niveau européen. Oui, alors la démocratie au niveau européen. Vaste enjeu, pour le coup. Comment te dire, ça rejoint en fait la question des entreprises d'ailleurs qui a été abordée tout à l'heure. Parce que si je reprends le fil depuis le début, sur la question des entreprises par exemple, moi je suis toujours étonnée qu'on sépare les entreprises des États. Ce que je vois moi en tant qu'élue, c'est que la collusion entre entreprises et États, elle est parfaite. Les États défendent leurs entreprises. Il n'y a pas d'un côté des entreprises déconnectées des gouvernements. Qui font leur loi. C'est très, très rare. Et c'est que, en général, ça sent mauvais pour l'entreprise parce qu'elle va se taper un démantèlement. Mais non. Pour moi, ce que je vois à chaque fois, c'est une collusion parfaite. Je prends toujours l'exemple des banques françaises, que j'ai eu pas plus tard que mardi dans mon bureau. La collusion entre l'État français et les banques françaises, par exemple, est parfaite. Chaque fois, c'est la même ligne. On peut parler avec le gouvernement français ou avec la Fédération bancaire française, on aura exactement le même discours. Et c'est pareil, je pense, pour les énergies fossiles, c'est-à-dire qu'on voit très bien que les pays qui ont sur leur sol de l'exploitation fossile vont toujours défendre et aller dans le sens de leurs entreprises. C'est pour ça que sur ce sujet-là, je pense qu'on doit avoir une réflexion, notamment à gauche, sur la question privée versus public. On oppose toujours les deux. Ça va déjà de toute façon ensemble en règle générale parce que sans public, il n'y a pas de privé possible. Sans propriété privée et son respect, sans règles, etc., ça n'existe pas. Et sans quelqu'un qui fait fonctionner le marché, ça n'existe pas. Et par ailleurs, on a une vraie collusion la plupart du temps. Sur la question démocratique, telle que tu l'entends toi, au niveau européen, on a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on est dans l'intergouvernementalité, ce qui bloque le processus, à mon sens, de représentation des peuples des États membres, puisque le peuple européen n'existe peut-être pas, je ne sais pas. Mais voilà. D'un côté, on a le Parlement européen, on a la Commission européenne, et on a les États, en fait, qui toujours viennent mettre leur grain de sel et nous posent un très, très grand nombre de problèmes. Il faut savoir que souvent, on dit la méchante Europe sur beaucoup, beaucoup de sujets, et on n'a pas forcément tort. Par contre, il y a des sujets sur lesquels on a profondément tort. Par exemple, sur la question fiscale, la Commission européenne et le Parlement européen, qui sont quand même majoritairement à droite, sont 100 fois plus progressistes que les États. Et ceux qui nous mettent à chaque fois des bâtons dans les roues sur la liste des paradis fiscaux, par exemple, sur la taxation de l'énergie, et ce sont toujours les États. Toujours les États. Et c'est pareil sur les questions environnementales. Aujourd'hui, le problème qu'on a au niveau européen, ça va être l'intervention de la France sur le nucléaire, l'intervention de l'Allemagne sur la question du gaz. Alors que nous, au niveau Parlement et Commission, on est sur une ligne qui est sans gaz, sans nucléaire, sans charbon. Donc voilà, on a cet enjeu problématique au niveau européen qui ferait que les choses, à mon avis,
irait dans le sens où il devrait aller en fonction du choix des élections. Hein. C'est droite ou gauche ou écolo, ou si tant est que gauche et écolo soient différents. Mais voilà, ça irait dans le sens des élections, sauf que là, à chaque fois, c'est quand même bypassé, outrepassé de manière extrêmement opaque. Donc moi, je serais pour que le Parlement européen choisisse la Commission, par exemple. Ça, à mon avis, ça devrait être fait dans ce sens-là. Et ensuite, sur la question démocratique et environnementale, il y a un sujet qui est que pour l'instant, bah, on a très peu de gouvernements écolos. Et donc, si on a très peu de gouvernements écolos, c'est que, in fine, nous-mêmes, en tant que citoyens, on n'est pas si prêts que ça à mettre en place la transition écologique. Et voilà. Après, on peut, pas, en revanche, s'intéresser à ce qui a été fait par le gouvernement français, même si l'expérience n'a pas été menée jusqu'au bout, qui est le fait que quand on a un panel de citoyens et qu'on prend le temps de faire de la démocratie, en nourrissant le débat public. Parce que c'est ça hein, qui s'est passé avec la Convention citoyenne. Des experts sont venus alimenter, donner de l'information. Après, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, mais ils sont venus alimenter. Et bien, mine de rien, tout de suite, les décisions sont quand même différentes sur le plan écologique, ce qui prouve qu'on a un vrai problème de qualité du débat public. Et c'est pour ça qu'Alternative économique et les journées de l'économie autrement sont d'autant plus importantes. Merci pour cette publicité. Tu voulais réagir aussi, Anne. Juste pour réagir, oui, également, c'est vrai que l'enjeu de pédagogie, il est extrêmement important sur la question du climat, parce que 1,5 degré, 2 degrés, je suis d'accord, c'est très difficile à percevoir quand on n'a pas lu les rapports du GIEC, qu'on ne voit pas comment ça se matérialise en termes d'impact. Et l'analogie avec la température du corps humain, elle est intéressante pour se rendre compte qu'effectivement, c'est important. Mais c'est difficile en fait pour les gens de réagir et d'agir par rapport au climat parce qu'effectivement on perçoit les impacts, on voit bien ces catastrophes qui se multiplient, du coup c'est très angoissant, mais on a du mal à bien comprendre d'où ça vient. Je ne sais pas qui sait que le premier secteur émetteur en France de gaz à effet de serre c'est les transports et là-dedans la majorité c'est la voiture, donc le problème numéro un en voiture sur le climat en France c'est la voiture. Et on n'a pas non plus une bonne compréhension des solutions, parce que les solutions, elles ne sont pas réellement portées dans un message clair par la puissance publique. Il n'y a pas, si vous vous demandez c'est quoi la mobilité en 2030, vous demandez à tous les ministres, il n'y en a pas un qui vous dira la même chose. On ne sait pas comment on va se déplacer en 2030, comment on va se chauffer, est-ce que ça sera toujours avec des chaudières au fioul, au gaz, on fera quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va manger? Avec quelle agriculture? On ne sait pas. Donc, il n'y a pas de cap qui est donné. Donc, on est dans une sorte d'éco-anxiété totale avec cette catastrophe ambiante qu'on voit, là, qu'on perçoit, qui est un peu globale. Mais finalement, on ne voit pas très, très bien où on va. Or, il y a une feuille de route qui a été définie par l'État pour le climat, qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone. Alors, le problème, c'est que c'est un document un peu qui peut paraître un peu technocratique, et qui a été fait par des spécialistes du climat, donc pas forcément approprié par les politiques. Qu'est-ce qu'il dit ce document? Il fixe le cap, c'est la neutralité carbone en 2050. Alors c'est pareil, neutralité carbone, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, neutralité carbone, c'est facile, hein. C'est, il n'y a plus d'essence et de diesel pour se déplacer, et il n'y a plus du tout de fuel et de gaz fossile pour se chauffer. Du coup, on fait comment? Je vous rassure, on arrive quand même à se déplacer, on arrive quand même à se chauffer. Ça veut dire qu'on va avoir d'autres véhicules, des véhicules électriques, des véhicules biogaz, hydrogène pour les camions, les bus, etc. On va pouvoir se chauffer parce qu'on aura des logements très bien isolés, on va avoir des pompes à chaleur. Pour les déplacements, si on a ces véhicules-là, ça veut dire quand même que, comme il y a d'autres impacts environnementaux avec les batteries, par exemple, on ne va pas remplacer une voiture thermique actuelle par une voiture électrique. Ça serait, il n'y aura pas le lithium nécessaire de toute façon au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'on va aussi développer les transports collectifs en centre-ville, qu'on va développer le vélo, qu'on va aussi développer le télétravail. La crise sanitaire a montré qu'on savait tout à fait gérer du télétravail. Donc c'est toute cette vision de la mobilité de demain, de l'organisation des villes, du rapprochement entre lieu de travail et lieu de vie, cette alimentation également moins carnée, etc. C'est tout ça qui devrait être porté par la puissance publique pour qu'on puisse effectivement aller tous dans le même sens et qui maintenant n'est absolument pas porté par le gouvernement parce qu'au sein même du gouvernement, chacun tire dans son sens et quand il y a des réunions interministérielles pour arbitrer sur des politiques,
c'est toujours le ministère de la Transition écologique qui perd et c'est Bercy qui gagne ou c'est le ministère de l'Agriculture. Et donc, on ne va pas du tout. Donc, on se fixe des caps, mais on ne va pas du tout dans cette bonne direction. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un cap clair, mais aussi d'être très concret sur concrètement c'est quoi cette vision de où on va et d'orienter tous les acteurs dans cette direction-là, ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement. Ce qu'il faudrait aussi, c'est avoir des lois qui soient cohérentes avec les objectifs qu'on se fixe. On a une loi climat et résilience, on sait déjà qu'elle n'est pas dans les clous avec les objectifs climatiques que la France s'est fixés, elle ne suffit pas, alors même que ces objectifs vont devoir être rendus plus ambitieux du fait de l'objectif européen de 55%. Donc on voit qu'il y a des incohérences complètes entre du coup, les grands discours, les objectifs qu'on se fixe et les moyens qu'on se donne pour y aller. Est-ce qu'on n'a pas fait des progrès par rapport à ça en France? Parce que le Haut Conseil pour le climat, dans un de ses rapports, avait souligné ce problème de manque de cohérence entre les différentes politiques publiques. J'ai l'impression qu'on a quand même fait des progrès avec le travail sur le budget vert qui essaye d'évaluer les différentes décisions publiques au regard de leur impact carbone. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, il y a des choses qui ont progressé, notamment la création du Haut Conseil pour le climat. Donc, ce sont des experts, des scientifiques qui font des rapports sur la situation du climat en France et qui font parfois des rapports plus détaillés sur certains secteurs et qui montrent effectivement que la France ne respecte pas ses objectifs, ce que la justice a confirmé d'ailleurs avec l'affaire du siècle, puisque la France a dépassé ses budgets carbone, donc les émissions, les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle avait dit qu'elle ne dépasserait pas. Donc ce Conseil pour le climat, il a eu cet intérêt d'avoir un acteur indépendant nommé par l'État, mais qui dit... Bah, l'État est en faute, il ne fait pas ce qu'il devrait faire. L'utilité, c'est aussi que les membres du Haut Conseil pour le climat sont allés voir le ministre de l'économie, lui ont dit, ben voilà, il y a un problème, là, regardez, il y a la stratégie nationale bas carbone, et on n'est pas dans les clous. Stratégie nationale bas carbone, oui, parce que Bercy ne savait pas qu'il y avait une feuille de route climat en France, donc ça a au moins servi à informer Bercy du fait qu'il y a une feuille de route climat et qu'on est censé la suivre et respecter les budgets carbone. Ensuite, le Haut Conseil pour le climat, il a des moyens qui sont très limités, donc il faudrait plus de moyens, et il faudrait évidemment qu'il soit davantage écouté. Et ensuite, il a fait effectivement une recommandation sur la mise en cohérence des lois avec les objectifs climat, qui pour l'instant n'a pas été du tout traduit dans les faits, c'est-à-dire que même si l'étude d'impact sur le projet de loi climat résilience disait que le projet de loi ne permettait d'atteindre que 2/3 des objectifs, eh bien la loi n'a pas du tout bougé pendant le débat parlementaire, c'était totalement verrouillé. Tous les amendements qui proposaient de changer des choses ont été considérés comme irrecevables. Et finalement, on arrive avec une loi qui ne respecte pas les objectifs nationaux actuels. Donc c'est vrai que quelques progrès, mais malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout. Alors que je crois que la coalition allemande qui vient de se constituer pour le gouvernement intègre dans son accord de coalition le fait qu'il y aura une vérification que les projets de loi sont cohérents avec les objectifs climatiques. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour vos interventions. J'aurais une petite question sur le rapport futur énergétique 2050 qui a été remis il y a un mois par l'entreprise RTE au gouvernement français. Et je parle sous votre contrôle, mais si je ne me trompe pas, il présente 6 scénarios de transition énergétique d'ici à 2050. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y en avait qu'un seul qui était 100% énergie renouvelable. Vous en avez beaucoup parlé dans vos interventions, donc j'aurais aimé vous interroger là-dessus. Ce que vous en pensiez, est-ce que ça vous effraie un petit peu de voir qu'il n'y en a qu'un seul présente 100% d'énergie renouvelable, et si j'ai bien compris, c'est pas du tout celui qui est le plus probable en plus. Donc voilà, savoir ce que vous en pensiez. Merci. Merci beaucoup. Avant de vous laisser répondre, juste une petite précision, les scénarios RTE sont des scénarios électriques, donc c'est pas sur l'ensemble de l'énergie, c'est uniquement sur la partie électricité. Et sur les 6 scénarios qui sont étudiés dans une certaine hypothèse de demande, parce qu'il y a, en fait, il y avait trois hypothèses de demande, mais ils en ont étudié en détail qu'une seule. Et sur les 6 scénarios correspondant à cette hypothèse de demande, 3 sont 100% renouvelables et 3 sont avec nucléaire. Il n'y a pas un seul. Hein, il y en a un premier qui est effectivement avec une sortie du nucléaire en 2050.
et les deux autres sont une sortie du nucléaire un peu plus tardive, c'est vers 2060, mais il y a trois scénarios sans nucléaire et trois scénarios avec, enfin avec relance, juste pour préciser. On va peut-être prendre alors cette question, oui, tout au fond, oui, allez-y, oui. On va vous apporter un micro. Oui, donc la question que je me posais, c'était par rapport aux éoliennes. Parce que j'ai pu discuter avec certaines personnes qui s'y connaissent un peu rapport à la fabrication. Et ces personnes m'ont expliqué que le souci avec les éoliennes, c'est que les matériaux, beaucoup des matériaux dont on en a besoin pour les faire, ne sont pas renouvelables. Du coup, pensez-vous que malgré tout, l'éolienne pourrait être l'énergie de demain? D'accord. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Oui, attends, on va vous apporter un micro et après au premier rang. Attendez le micro, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour les interventions. Je trouve qu'il y a eu une information qui nous a été livrée qui était quand même drôlement intéressante, qui est que avec la relance, on a eu plus 8% d'émissions de gaz à effet de serre. C'est passé un peu sous silence, on l'a mis un peu sous le tapis, c'était entre 2,5. Et donc, moi, je comprends le manque de narration des politiques aujourd'hui vis-à-vis d'une autre mobilité ou d'autre chose par le fait qu'ils couplent en permanence, c'est leur logiciel, la croissance et la promesse de l'innovation qui permettrait un potentiel découplage absolu dont Aurore a dit qu'il n'arriverait jamais. Et donc, je suis un tout petit peu surprise, mais vous allez me dire qu'en fait, c'était implicite à chacun de vos propos, mais que le terme de sobriété, comme nouvelle narration, ne soit pas présenté, de telle sorte que nous préparions, mais que les politiques aussi, finalement, finissent par mettre ce vocabulaire-là dans leur logiciel, parce qu'on sait, dans des planifications sociales écologiques, que nous aurons besoin de désinvestir, et non pas simplement d'investir. Il faudra désinvestir dans un certain nombre de cas, et donc je pense que le signal prix Aurore ne va pas fonctionner quand même complètement. Il faudra aussi des interdictions absolues, de toute évidence. Enfin, et pourquoi ne pas, entre experts et grands responsables, pourquoi ne pas, comme ça, distiller ces mots qui sont absolument nécessaires, me semble-t-il. Si on ne veut pas parler de décroissance, ne parlons pas de décroissance, mais parlons de sobriété pendant qu'il en est encore temps. Et peut-être que chacun sur les territoires peut se préparer à cela aussi. Quoi. Oui, monsieur, vous vouliez poser une question? Non. Non, c'était pas. Oui. Ah. Il y a bien. Voilà, monsieur. Voilà, excuse-moi. Et puis une dernière, et puis on va répondre à cette série. Merci. Bravo pour l'intervention sur la sobriété. Et je pense qu'une partie déjà connaît les scénarios négawatts. Donc, bien qu'on soit à la deuxième décennie du 21e siècle, on gaspille encore un tiers de l'énergie qui est produite, alors que d'autres personnes n'ont accès à rien. Et donc regardez sur negawatt.org les différentes versions du scénario. Tout à l'heure, il y a l'atelier à 16h30 sur le 100% renouvelable de RTE, donc qui n'est que sur l'électricité, alors que Negawatt et des scénarios de l'ADEME intègrent aussi les transports, l'habitat. Un petit point sur les Allemands. Donc, Madame la députée européenne disait qu'elle était inquiète avec les centrales au gaz prévues par les Allemands. Moi, je ne suis pas germanophobe, mais d'après mes lectures, c'est des centrales qui seront prévues pour fonctionner dès que possible au gaz renouvelable. Et il faudra une partie de gaz renouvelable aussi pour arriver à subvenir à nos besoins. Et puis, dernier point sur les éoliennes. Les éoliennes sont recyclables au moins à 95-96%. Et elles se démontent sans déchets à enfouir, etc. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que sur la question des éoliennes, je crois que monsieur a répondu à madame. C'est vrai que les éoliennes se recyclent. On a un problème aujourd'hui avec les pales, mais comme on a un problème avec les coques des bateaux de plaisance, des résines plastiques,
mais d'après la profession, c'est un problème qui devrait être réglé d'ici quelques années. Donc c'est pas un très gros souci. On a un souci peut-être avec les aimants permanents qui requièrent des terres rares. Alors les terres rares ne sont pas rares, contrairement à ce qu'évoque ce nom. Elles sont simplement mal réparties ou difficiles d'exploitation et coûteuses à extraire. Et on n'a pas forcément besoin d'aimants permanents dans les éoliennes terrestres. C'est pratique dans les éoliennes marines parce que ça évite d'avoir, ça limite les besoins de maintenance. Donc en fait, et les aimants permanents, il y en a dans plein de choses, à part les éoliennes, dans les écouteurs, les micros d'appareils, etc. Donc voilà, on n'a pas vraiment un problème de cet ordre-là avec les éoliennes. Et on va s'en arrêter là sur les éoliennes, sur RTE. Je ne sais pas si vous voulez réagir, mais il y a un atelier, effectivement, comme monsieur l'a rappelé, à 16h au Conseil général. Régional, pardon. Et ben, peut-être sur la sobriété, c'est vrai, c'est étonnant, vous n'en avez pas du tout parlé, je suis choquée. Après, on peut ne pas en parler et intégrer en fait, dans ce qu'on a dit. Quand on fait de la rénovation, quand on parle de rénovation thermique des bâtiments, quand on parle de réduire, parce qu'en fait, c'est ça la réalité, plus la question, il faut qu'on réduise notre consommation d'énergie. En fait, c'est ça le vrai sujet. Moi, je n'utilise pas le terme de sobriété. Pourquoi ? Parce que c'est pas la sobriété pour tout le monde, en fait. Qui doit devenir sobre ? C'est nous. En fait, j'ai du mal toujours avec les termes généraux comme ça, parce que la réalité, c'est qui doit réduire sa consommation ? C'est nous. C'est nous. À chaque fois, c'est nous. C'est les pays dits développés qui avons trop pris. Donc, j'ai du mal toujours à parler de sobriété, aussi parce que... j'ai peut-être parfaitement tort. Hein. Sobriété, je trouve que ça fait pas rêver. Voilà. Et je préfère qu'on réfléchisse à comment redéfinir la prospérité plutôt que de parler de sobriété. Je suis quelqu'un qui a grandi en banlieue parisienne. Hein. Je suis la seule à avoir le bac dans ma classe, juste pour comme ça. Je sais que moi, à côté de moi, il y avait mes meilleurs amis d'enfance qui partaient pas en classe de neige parce qu'en fait, ils avaient un arbitrage à faire entre avoir des Nike et partir en classe de neige. Et avoir des Nike, c'est de la consommation classante quand même. Et ça, c'est quelque chose qui reste ancré, je pense, dans beaucoup de certaines personnes d'entre nous, c'est que c'est plus facile de renoncer à certaines choses qu'on a eu la chance de pouvoir y goûter. Et c'est pour ça que le terme de sobriété, j'ai toujours du mal à l'utiliser, parce que moi, je dois être sobre. Il y a des personnes, non, elles ont besoin de consommer plus. Et donc, j'ai du mal à je trouve que socialement, c'est quelque chose qui peut être interprété de manière violente. J'ai peut-être tort, hein. Vraiment, c'est ce que je pense profondément au fond de mes tripes, mais j'ai peut-être profondément tort. C'est pour ça que je préfère qu'on réfléchisse à redéfinir la prospérité, à redéfinir le bien-être, et contrairement à ce que dit Pisani-Ferry, la question environnementale, c'est pas une question de long terme, c'est une question de maintenant, tout de suite, là. Voilà, c'est pas une question de long terme, ni de moyen terme, c'est maintenant. Voilà, donc voilà, je préfère finalement le travail de Tim Jackson là-dessus, qui est de parler de redéfinition de la prospérité. Et après, dans les mesures qu'on propose, quand je dis qu'il faut supprimer un certain type de publicité, notamment à destination des enfants, quand il faut réduire la consommation, notamment la surconsommation, la question de la fast fashion qu'il faut réguler, c'est pour moi la question effectivement de la sobriété pour certains qui doivent se serrer la ceinture. Sortir d'une forme de démesure et de déraison plutôt que d'autres. Et après, je ne crois effectivement pas au signal prix, je crois à la réglementation. Voilà, on n'est pas dans un moment, ça prend des plombes sincèrement de faire du signal prix. Le signal prix, c'est l'idée de se dire, pour ceux qui ne savent pas, qu'en fait il y a un problème environnemental. Pourquoi ? Parce que le marché n'est pas là. S'il y avait du marché, nous tous, on serait guidés par ce fantastique signal prix qui nous dirait s'il reste ou pas des poissons à pêcher dans l'océan. C'est lui qui nous guiderait. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas ce signal prix et de propriété privée qu'en fait, on a des mauvais choix. C'est brutal aussi, le signal prix. Ça peut être aussi brutal. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de la taxation. Je dis que ça ne peut pas être le seul sujet. Il faut, à côté de ça, de la réglementation. Et la mesure la plus forte côté européen, c'est l'interdiction, par exemple, d'un certain type de produits chimiques à travers la directive REACH. Ça va être l'interdiction
de la bagnole thermique. C'est ça, en fait, qui est plus fort. Et donc, je suis profondément favorable à la réglementation. Je finirai sur la question des éoliennes et des scénarios négawatts. Je ne suis pas du tout germanophobe. Je vois juste comment fonctionne le niveau européen. Et il y a un jeu entre les Français et les Allemands, les gouvernements, pardon, français et le gouvernement allemand là-dessus. Dès qu'il y en a un qui dit gaz, l'autre dit nucléaire. Dès qu'il y en a un qui dit nucléaire, l'autre dit gaz. Et Nord Stream, ce n'est pas fait pour le gaz renouvelable. Hein. Et ça nous pose des vraies questions géopolitiques, la question du gaz au niveau allemand. Et c'est là-dessus, moi, où quasiment je suis le plus inquiète. C'est qu'il y a aussi la question énergétique et aussi une question géopolitique. Et la relation avec la Russie, pardon, mais j'aimerais un peu qu'on soit indépendant de certaines puissances au niveau européen. Il va nous falloir aussi une Europe forte à ce niveau-là. Et ensuite, sur la question des éoliennes, rapidement, effectivement, il y avait des grosses craintes sur le néodyme, qui est effectivement une terre rare. Voilà, les terres rares ne sont pas rares, elles sont éparpillées dans le sol, ça pollue de pouvoir les extraire. Moi, c'était ma crainte aussi. Ce qu'on voit au niveau européen pour l'instant, c'est qu'on a très peu de terres rares, finalement, dans les éoliennes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être pour compléter, juste, on peut difficilement avoir une discussion sur le climat en France sans tout de suite passer à l'électricité, ce qui est assez étonnant parce qu'en France, la production d'électricité, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est vraiment peanuts. Mais c'est vrai que c'est toujours ce qui est mis en avant. Alors, dans les scénarios RTE, comme le disait Antoine, il y a 3 scénarios avec de nouveaux réacteurs nucléaires et 3 scénarios sans. Donc, il y a 3 scénarios qui vont vers le 100% énergie renouvelable, 3 scénarios qui misent sur du nouveau nucléaire. Il y a des discussions, évidemment, au réseau Action Climat. Nous, on est plutôt pour les scénarios qui vont vers le 100% énergie renouvelable pour des raisons de résilience, pour des raisons d'adaptation de la production au gisement d'énergie renouvelable dans les territoires, pour la création de valeur dans les territoires, voilà, pour la question des déchets nucléaires, pour beaucoup de raisons. Mais effectivement, du point de vue du climat, le choix entre les deux est quasiment le même. Il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre avec la production d'électricité telle qu'elle est actuellement et telle qu'elle est prévue, que ce soit avec ou sans du nucléaire. Sur la question de la sobriété, nous, au réseau Action Climat, on est très clair, on assume complètement ce terme de sobriété. Il faut aller vers une sobriété, vers le moins et mieux. Ça ne veut pas dire qu'on va dire aux gens qui actuellement ne mangent pas à leur faim ou n'ont pas les moyens de se chauffer qu'il faut encore plus se serrer à la ceinture. Non, ce n'est pas à eux de le faire, c'est aux autres qui consomment beaucoup. Ça veut dire changer vraiment notre système de valeurs. C'est un peu ce dont on s'est aperçu avec le confinement. Ce qui nous manquait, ce n'était pas le dernier téléphone à la mode ou la dernière paire de tennis à la mode, c'était de voir nos amis, nos proches, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, etc. Et ça, c'est vraiment un changement de ne pas être dans une consommation frénétique qui est quand même beaucoup alimentée par la publicité. D'ailleurs, c'est le Black Friday, voilà. Donc, c'est le jour de l'hyperconsommation. Ça, il faut arrêter. C'est plus possible de faire ça. C'est juste pas soutenable. Donc, il faut qu'on limite notre consommation. Ça, c'est clair. Et ça veut dire du moins et mieux, ça veut dire consommer par exemple moins de viande, mais une viande de meilleure qualité, plus locale, de manière plus extensive, que rapporter des revenus aux producteurs. Ça veut dire aussi consommer par exemple des vêtements un peu moins souvent, mais des vêtements de meilleure qualité, produits aussi plus localement, qu'on aura acheté plus cher, mais qu'on va garder plus longtemps. Donc c'est vraiment une réflexion globale sur l'énergie. Ça peut être par exemple dans certains villages, on arrête l'éclairage public à 23 heures parce que finalement on considère que l'usage ensuite n'est pas forcément indispensable et ça permet d'économiser l'énergie et l'argent de la commune. Donc il y a beaucoup d'exemples où on peut faire de la sobriété, où c'est intéressant, mais c'est vraiment un changement de manière de réfléchir effectivement de valeur. Et ça, c'est quelque chose du coup que nous on va beaucoup mettre en avant dans les années à venir pour faire rentrer cette question de sobriété, sachant que on a parlé de négawatts qui met en avant la sobriété depuis très longtemps. Il va y avoir aussi mardi prochain l'ADEME qui va sortir des scénarios 2050, 4 scénarios qui vont du plus sobre au plus technologique, puisqu'il y avait aussi la question sur l'innovation. C'est vrai qu'on a vraiment ce débat entre ceux qui disent « on va faire plein de nouvelles technologies, vous inquiétez pas, on trouvera la solution miracle et on change rien », ce qui est quand même très très hypothétique, il pose plein de questions souvent d'impact environnemental, et effectivement cette sobriété qui demande un changement de mode de vie, mais qui ne veut pas dire qu'on va forcément moins bien vivre, mais vivre différemment, et qui
par contre, peut avoir des impacts très rapides. Parce que si on réduit la vitesse sur l'autoroute, si on réduit sa consommation de viande, si on arrête l'éclairage public dans les villages, par exemple, à 23 heures, c'est un impact immédiat. Donc c'est vraiment voilà, du bénéfice direct et tout de suite. Quelques mots. Je partage complètement ce qui a été dit de l'importance de ce terme sobriété que j'utilise très, très volontiers. Je partage aussi ce qui a été dit sur le fait que ce n'est pas pour tout le monde, en tout cas à l'échelle mondiale et même au sein de la France, il faut avoir ça en tête. Par contre, il y a au moins une période, quelque part, d'une sobriété qui sera... ça ne va pas être tout rose, ça ne va pas se faire facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas le substituer par des nouvelles sources de satisfaction. La sobriété, c'est aussi aller moins souvent faire de la randonnée, c'est aller moins souvent voir ses enfants qui sont à l'autre bout de la France. Ça veut dire ça aussi, quelque part. Et je pense qu'il y a cette dimension-là qu'il faut accepter d'exprimer, de verbaliser, de partager, de construire des solidarités autour de ça pour que ce ne soient pas les mêmes qui en souffrent. Et avoir en tête, me semble-t-il, que dans une transition vers un monde un peu différent, il va y avoir deux phases et qu'on est en train d'attaquer la première phase, c'est-à-dire la plus difficile, celle où les choses vont s'ajuster. Et que peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, eux, ils auront la chance dans un monde qui se sera réajusté, différent, peut-être meilleur, on peut l'espérer, en tout cas très différent, mais... ce qui compte pour aujourd'hui, c'est qu'on va être dans cette période de ces réajustements, de ces renoncements, de ces « ah, mais j'aimais bien faire ça, mais eh bien, je ne vais pas le faire ». Et je pense que cette dimension-là, il faut aussi la réfléchir par les... Comment dire on se questionne, les uns et les autres, et peut-être que vous comme moi, parfois dire « bon, ben, ok, moi j'ai renoncé à prendre l'avion, mais... tout seul, les autres, j'arrive pas à les convaincre, de toute façon ils écoutent rien et puis c'est leur intérêt, voilà, ils voient que leur plaisir, enfin c'était la remarque tout à l'heure, et ça peut être très démoralisant. Alors moi j'ai surmonté ça avec d'autres en me disant finalement les petites actions que l'on peut faire, les petites choses que l'on peut mettre en place, participer à une AMAP, participer au montage d'une recyclerie, c'est sûr que ce n'est pas ça qui va changer l'économie nationale. Mais par contre, ça a un intérêt énorme, c'est qu'on expérimente, on prépare, on organise, on est prêt à mettre en place et à développer des nouveaux systèmes ultérieurs. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est parce que des gens, à des petites échelles, avaient créé des réseaux de vente en proximité, que le jour où il a fallu le démultiplier, eh bien, on savait faire, c'était en place. Et donc, soyez convaincus que vos engagements, aussi minimes soient-ils, ils contribuent à ça. L'enjeu, c'est que ça ne reste pas petit et de se satisfaire de « moi, j'ai fait ma petite part, ça suffit, le reste... » Il faut que ça prenne de l'ampleur, mais tout ça, ça contribue à construire un espèce de fond, là, qui de connaissances, d'expériences, qui sera utile ultérieurement. Voilà, donc c'est un peu pour vous encourager à ça, et comme j'aime bien avoir le sentiment que quand je suis venu, je viens de Toulouse, là, je ne voulais pas préciser, donc je fais quand même un long trajet d'avoir eu un peu un impact. Est-ce que, suite à cette conférence, parmi vous, il y en a qui se disent « ouais, quand même, il y a des choses, quand je vais rentrer, il faudrait que j'en parle dans ma famille, qu'on pourrait changer peut-être. » Alors parmi vous, il y en a peut-être qui ont déjà réfléchi, je ne donne pas de pistes, mais... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui repartent en se disant « on va changer quelque chose ». Vous voulez bien lever la main ? Allez. Ou qui l'ont déjà fait, qui se sont déjà... Ah oui, oui, voilà. Ouais. Bon. Moi, je vais très préparer bien. Mes Merci vacances beaucoup. En avion. Bon. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup Aurore, merci beaucoup Anne. Vous avez réussi à parler de ce sujet difficile qui a une dimension scientifique et technique
Et en même temps, vous en avez parlé aussi sur les enjeux éthiques qui sont autour de ça. Vous en avez parlé avec vos tripes. Et c'est, voilà, merci beaucoup.